Sans de débat de le faire. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions honorer l'ange de la maison. Je voudrais que nous puissions honorer ce merveilleux papa que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Il est une grâce pour nos vies. Amen. Ce ne sont pas des mots, il est une grâce pour nos vies. C'est pourquoi, avec ton autorisation et avec tes mains, si tu peux me les prêter, je voudrais que nous puissions honorer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions honorer notre merveilleux ce moment, le pasteur Vanessa. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi que tu m'aides à honorer une personne. Alléluia. Tu veux savoir qui c'est? C'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce que tu veux? Les enfants, est-ce qu'on peut l'aider les enfants? Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut honorer son excellence au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser les enfants? Si nous y sommes, est-ce qu'on peut tous se lever afin de donner la parole de vie? Je vais la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 35, à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, il était fort nombreux. À la surface de la vallée,
et ils étaient complètement secs. Dis avec moi, complètement secs. Est-ce que tu peux encore le redire? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dis avec moi, revivre. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dis avec moi, vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Il y avait moi un bruit. Et voici qu'il s'est fait un mouvement. Il y avait moi un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur fait des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise au fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, j'ai les quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils me vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Dis avec moi, il reprit vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux voir, regarder à gauche? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Regarde encore un autre voisin, dis encore, est-ce que tu es prêt? Parce qu'il va avoir un mouvement. Alléluia. Alléluia. Le mouvement, c'est Dieu qui va l'opérer. Amen. Si seulement tu disposes ton cœur, je t'assure que tu ne veux pas ce lieu, tant que Dieu n'est pas touché. Amen. Alléluia. Hier, papa nous a parlé sur la réformation. Amen. Et qui dit réformation, c'est qu'il y a eu une faille quelque part. Amen. Parce qu'il y a eu une faille que nous sommes obligés de réformer le modèle. Amen. Alléluia. Et nous voyons, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec un plan bien parfait. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans le monde, soit dans la maladie. Non, loin de là. Alléluia. La parole de Dieu me dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que cela était parfait. Amen. C'était parfait. Mais par la suite, il va y avoir quelque chose. Amen. Ce modèle parfait va se corrompre et là, il va y avoir une déformation. Amen. Et quand notre Dieu est un Dieu parfait, amen, il va venir réformer ceux qui étaient déformés. Alléluia. Au travers de Jésus-Christ de Nazareth. On pouvait dire que le premier Adam était une âme vivante. Le premier Adam subissait l'action. Alléluia. Le premier Adam, après s'être corrompu, a subi le monde, a subi la vie. Alléluia. Mais le second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, est un esprit. Alléluia. Vivifiant. Amen. C'est-à-dire que il a la capacité de régénérer, de reproduire. Amen. La capacité d'apporter la vie. Alléluia. Il a la capacité d'apporter la vie. Ici, dans le texte de Ézéchiel que nous avons lu, l'histoire nous parle d'Ézéchiel.
Et c'est Pierre qui a été ravi en esprit. Alléluia. Le Seigneur l'a ravi en esprit. Et là, il s'est retrouvé devant une vallée. Une vallée des ossements. On précise, ossements desséchés. Amen. Ces ossements étaient tellement desséchés. Je ne sais pas si vous avez appelé l'ossement desséché. Lorsque les os sont desséchés, peu importe, les os du poulet, les blancs, ils deviennent assez blancs. Ils deviennent très blancs, très blancs. Et c'est dur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Ézéchiel s'est retrouvé devant cette vallée des ossements desséchés. Et là, le Seigneur lui a posé une question. Le Seigneur lui a dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces eaux-là peuvent revivre? J'ai aimé la réponse d'Ézéchiel. Amen. Ézéchiel n'a pas voulu s'aventurer. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu sais. Alléluia. Parce que Ézéchiel avait compris que Dieu seul avait la connaissance complète et parfaite. Alléluia. Et devant cette question, Ézéchiel n'a pas voulu jouer aux orgueilleux. Mais Ézéchiel avait réalisé qu'il ne pouvait pas, il ne connaissait pas ce domaine. Il a dit, Seigneur, toi-même tu sais. Alléluia. Et par la suite, Dieu m'a dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Parle sur ces ossements desséchés. Alléluia. Amen. C'est quand même bizarre. On ne dit pas de parler sur les morts. On nous demande de parler sur les ossements qui sont desséchés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? On demande de parler sur les ossements qui sont desséchés. Parler encore sur les morts, oui, je peux. Mais parler sur les ossements desséchés, il n'y a même plus d'espoir. Alléluia. Ce sont des ossements desséchés. Il n'y a plus de possibilité. Amen. Mais je vais aimer l'attitude d'Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas cherché à comprendre. Peut-être qu'en lui se disait, mais comment va-t-il se faire? Mais comment cela va s'opérer? Mais comment cela est-il possible? Peut-être que c'était cela. Mais il va taire tous ces questionnements. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il va obéir. L'obéissance. Amen. L'obéissance. Ézéchiel va obéir à la parole que l'Éternel lui avait donnée. Alors qu'il se trouvait devant cette situation dite impossible selon les hommes, alors qu'il se trouvait devant cette situation dite impossible pour l'entendement humain, Ézéchiel va faire quoi? Il ne va pas chercher à comprendre, il va juste rejeter. Alléluia. Et parfois, pour vivre le miracle de Dieu, on n'a pas besoin souvent de comprendre. Alléluia. Pas besoin souvent de comprendre la théologie, pas besoin de comprendre que non, la logique, non. Parfois, il faut juste s'est jeté. Alléluia. C'est ce que Ézéchiel a fait. Ézéchiel s'est jeté. Ézéchiel s'est jeté. Il n'a pas dit Seigneur. Non. Il s'est jeté. La Bible va me dire qu'il a prophétisé. Lorsqu'il a prophétisé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un bruit. Amen. Lorsqu'il a prophétisé, il y a eu un bruit. Amen. Et ce bruit-là a porté un mouvement. Alléluia. Qui connaît le nombre d'années que ces ossements desséchés ont fait là? Qui connaît la durée que ces ossements desséchés ont encaissé le soleil? Qui connaît? Alléluia. Mais face à tout ça, Dieu dit, prophétise. Alléluia. Face à tout ça, Dieu dit, Ézéchiel, parle. Parle à
Certainement, tu te demandes, mais comment cela est possible de parler à ces instruments? Alléluia. La Bible dit que il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Et si ossement ou si os était nom, alors devant le nom de Jésus, ça fléchit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors devant le nom de Jésus, ça ne peut qu'obéir. Et là, Ézéchiel va parler. Et quand il va parler, on va dire que les nerfs vont commencer à apparaître sur les ossements. Ah, c'est bizarre. Comment les nerfs? Pourquoi les nerfs? Pourquoi les nerfs? Pourquoi pas d'abord la chair? J'ai essayé de regarder, j'ai regardé trois versions, on dit la même chose. On parle d'abord des nerfs, ensuite la chair et la peau. Alléluia. Je regardais la définition des nerfs. Alléluia. On me dit que les nerfs, c'est un ensemble. C'est un ensemble de systèmes qui a le contrôle sur l'ensemble du corps. Alléluia. Ah, c'est la définition générale. Amen. Ça le contrôle sur l'ensemble du corps. Qui s'est traduit par des actes volontaires ou involontaires, par des sensations. Alléluia. Mais aussi, les nerfs coordonnent le mouvement musculaire et le fonctionnement des autres organes. Alléluia. On me dit que les nerfs coordonnent le mouvement musculaire et le fonctionnement des autres organes. Alléluia. Donc je comprends que le nerf ou les nerfs a une importance capitale dans le corps humain. Alléluia. Pour que les autres organes puissent se mettre à fonctionner, le nerf doit être en mouvement. Alléluia. Mais je me suis posé la question, mais ok, d'accord, Seigneur. Je ne comprends pas. Pourquoi le nerf? Le nerf ici, c'est quoi? Alléluia. À Dieu de me répondre que le nerf ici est symbole à notre esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nerf ici est symbole de notre esprit. C'est pourquoi lorsque nous venons à Christ, ce n'est pas tout notre être. C'est notre esprit qui est régénéré. Alléluia. C'est notre esprit qui reçoit le salut. C'est notre esprit qui reçoit des nouvelles données. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transmet maintenant à l'âme. Et par la force que l'âme assimile, l'âme transmet maintenant au corps. Alléluia. Donc, tant que ton esprit n'est pas régénéré, tu passeras à côté. Alléluia. C'est pourquoi Papa hier pouvait dire que il faut d'abord faire la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est le point principal. Tant que tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu pourras faire sera fait. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, la Bible va te dire que il est celui maintenant qui rend témoignage à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Il transmet les données maintenant à mon esprit que Patrick, dorénavant, tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi, oui, j'ai encore le même visage, oui, j'ai encore peut-être les mêmes habitudes, mais mon intérieur est vraiment changé. Alléluia. C'est pourquoi, autrefois, je pouvais pécher sans remords. Maintenant, lorsque je pêche, je me sens attristé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a transmis les nouvelles données à mon esprit. Alléluia. Et lorsque mon esprit assimile ces données, qu'est-ce qu'il fait? Il communique maintenant ces données à mon âme. Alléluia. Il communique ces données à mon âme.
Et lorsque mon âme reçoit, pour une personne qui était malade, lorsque il communique les données en disant que par ses blessures j'ai été guéri, il communique ses données à mon âme. Mon âme n'accepte plus la maladie. Alléluia. Si la maladie pour moi était coutume, si la maladie pour moi était devenue une seconde nature, alléluia. Mon âme, parce qu'il a reçu les données que lui ont transmis mon esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire à mon âme, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu n'es plus malade. Alléluia. Alléluia. Et par la suite, je vais maintenant agir comme une personne importante. Amen. Alléluia. D'où la nécessité de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur d'abord a fait apparaître les nerfs. Alléluia. Parce que ce sont les nerfs qui donnent la force aux autres organes. Alléluia. C'est ton esprit qui va t'emmener maintenant lorsque tu es connecté au Saint-Esprit à dire non, ne fais plus comme ça, mais marche maintenant comme ça. Alléluia. C'est ton esprit qui va t'emmener à dire que non, ne parle plus comme ça. Alléluia. Et parle maintenant comme ça. Pourquoi? Parce que tu aurais reçu des nouvelles données. Amen. Et par la suite, le Seigneur m'a demandé encore à Ézéchiel de prophétiser. Alléluia. Et lorsqu'il m'a prophétisé, la parole de Dieu m'a dit que il va avoir le vent qui va souffler des quatre coins de la terre. Alléluia. Et le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur va venir. Et ces morts, ces ossements desséchés vont reprendre vie. Le Seigneur veut ce soir que tu puisses reprendre vie. Le Seigneur veut ce soir t'emmener dans une nouvelle étape. Alléluia. Le Seigneur veut ce soir t'emmener à expérimenter un mouvement assez particulier de sa part. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on le comprend. Amen. Alors que Ézéchiel s'est trouvé devant la vallée des ossements desséchés, qui étaient ces hommes? Plus tard, on me dit que c'était une armée. Une armée. Alléluia. Normalement, l'armée, c'est la sécurité d'un pays. Alléluia. Et si l'armée est morte, que le pays est foutu. On me dit que c'était une armée. Mais pourquoi? Pourquoi cette armée était-elle desséchée? Alléluia. Qu'est-ce qui a mené cette armée à la sécheresse? Le monde d'espoir. Amen. Certainement parce qu'il ne croyait plus. Tout comme toi ce soir. Alléluia. La vallée des ossements ici, desséchée, peut être remplacée par toi. Alléluia. Peut être remplacée par ce domaine dont tu ne cesses de prier jour après jour, année après année, nuit après nuit. Alléluia. La vallée des ossements desséchés, s'il peut être toi. Seigneur, depuis mon problème, depuis ma situation, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Pourquoi les autres se marient et pas moi? Pourquoi on appelle les autres maman et pas moi? Seigneur, moi je veux te servir, moi je veux me consacrer à toi. Mais pourquoi ce péché me ramène toujours à toi? Année après année, tu soupires. Année après année, tu gris. Alléluia. Et à un moment donné, l'espoir s'en va.
et tu commences à t'habituer à ta situation. Tu commences à t'accoutumer à ta situation. Alléluia. Tu commences à trouver ça normal. Alléluia. C'est maintenant normal pour toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de croire. Oui, certainement tu as vécu les déceptions. Certainement tu as vécu les humiliations. Alléluia. Le matin, alors que j'étais en train de parler avec le Saint-Esprit, on parlait de nos choses et il va me laisser une parole pour me dire, Patrick, je vais dire oui. Il me dit, est-ce que tu sais que l'humiliation est le chef vers de l'élévation? Et tu ne comprends pas. Il me dit si. Il me dit, l'humiliation est le chef de l'élévation. Alléluia. Si tu veux être élevé, alors prends les marches de l'humiliation. Alléluia. Si tu veux être élevé, prends les marches de l'humiliation. Amen. Je vais poser la question, pourquoi tu me dis ça? Que maman m'a demandé. Alléluia. Et je disais par la suite, de ce désespoir, devant cette mort, alléluia. Dieu a posé une question à Ézéchiel, fils de l'homme. Est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Ce soir, le Seigneur pose la question par la clé. Par la clé, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Ce soir, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. J'ai aimé l'attitude de Ézéchiel. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu sais. Alléluia. Ézéchiel avait compris. Alléluia. Qu'il n'avait pas de force. Ézéchiel avait compris qu'il était limité face à cette situation. Tant que tu ne comprends pas que tu ne peux pas, Dieu va te regarder essayer, encore essayer. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que Dieu rentre en action, alors réalise que tu es limité. Si tu veux que Dieu rentre en action, alors réalise que tes forces sont limitées. Si tu veux que Dieu rentre en action, alors réalise que tu ne peux pas. Lorsque tu réalises, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, tu donnes à Dieu maintenant le champ d'action pour te montrer sa gloire. Alléluia. Lorsque tu montres à Dieu que je ne peux pas, mes nombreux dieux ne peuvent pas, mes nombreux dieux ne peuvent pas. Seigneur, maintenant, prends le plein contrôle. Ah, bien aimé. Tu vois maintenant le puissant guerrier. Tu vois maintenant le Dieu tout puissant rentrer. Entre en un instant. Alléluia. En un instant, quelque chose se passe. Amen. Mais tant que tu dis, oui, c'est un jeûne, oui, ça peut revivre par huit jours de jeûne à sec. Mais pourquoi? Alléluia. Oui, Seigneur, ça peut revivre par de nombreuses veillées de prière. Tu vas prier, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Mais lorsque tu dis comme Ézéchiel, je ne peux pas, je ne sais pas. Toi, tu sais beaucoup de choses. Tu as montré à Dieu sa position. Alléluia. Il a dit, je ne sais pas. Toi seul sais. Tu as montré à Dieu sa position de tout-puissant. Alléluia. Et parce qu'il est tout-puissant, il va te montrer sa grandeur. Amen. Et parce qu'il est tout-puissant, il va te montrer sa grandeur. Alléluia. Amen. Et lorsque Ézéchiel l'a fait, Dieu s'est mis à comprendre. Il a compris. Ce passage de la Bible qui dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia.
ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et là, Dieu a fait quelque chose. Il a donné l'instruction à Ézéchiel. Alléluia. Dieu a donné l'instruction à Ézéchiel. Oui, c'est vrai. Autrefois, tu priais, mais tu priais sans instruction. Alléluia. Autrefois, tu jeûnais, mais tu le faisais sans instruction. Maintenant, arrête-toi et demande à Dieu l'instruction. Et là, le Seigneur a dit à Ézéchiel, prophétise. Alléluia. Dieu a dit, prophétise.